بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سير إلهم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous avons vu la dernière fois le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du moins la préparation du retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait envoyé Sidna Zayd et Sidna Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhuma pour informer les Médinois de 1. De la victoire, 2. Comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sur le chemin du retour, avec les 2-3 choses sur lesquelles on s'était arrêté, alhamdulillah. Alors aujourd'hui on va voir l'arrivée même du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les 2 choses directement lié à sa personne sallallahu alayhi wa sallam juste après son retour. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a connu 2 événements à son retour al-Madinah. 2 événements qui le touchent, qui touchent sa famille, mais 2 événements diamétralement opposés. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à al-Madinah, l'ambiance comment elle était? Une ambiance festive, content, les gens sont dans l'euphorie de la victoire, il y a la super bonne ambiance. C'est quand même quelque chose d'énorme. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrive à Medina, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que Sahaba venait à peine d'enterrer sa fille Ruqayya, radiallahu anha, ardaha, l'épouse de Sidna Uthman, radiallahu anha. Donc, Nabi sallallahu alayhi arrive, il y a la joie, il y a l'euphorie de la victoire, Badr. Les gens ils sont contents, mais quand même un peu confus. Quand même, la fille du prophète sallam était malade, radiallahu anha. Elle a été enterrée, donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a la joie dans la tristesse dans la joie. Et là, j'aimerais qu'on revienne sur cette notion-là qui a toujours, subhanallah, caractérisé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas connu des moments avec, on va dire, une seule émotion qui l'accompagne, l'euphorie, la joie, le contentement, super génial, super génial, super génial. Et il n'a pas connu non plus tristesse tout le temps. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours connu des situations, on va dire, confuses, où différentes émotions sont imbriquées. Khadija radhiyallahu anha qui décède. En même temps, l'Isra ou le Mi'raj qui arrive, donc c'est super génial. Je vais à Taif, je me fais chasser de là-bas à coups de pierre. On m'a blessé, on m'a humilié. En sortant de Taif, le djinn, ils se convertissent. Donc, vous voyez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est habitué à ce que, quand il connaît des moments de joie, des moments de bonheur, des moments positifs, c'est tout de suite après suivi par des moments quand même de tristesse, d'émotion un petit peu, de chagrin. Dès qu'il connaît des moments de chagrin et de tristesse, il s'en suivit par des moments de bonheur et de joie. Sa vie, subhanallah, elle est magnifiquement remplie et parsemée par cette alternance-là. Vous vous souvenez, on avait parlé dans un précédent épisode, comme quoi notre vie n'était qu'une alternance au final, de moments de joie et de moments de tristesse, des moments positifs, des moments négatifs, et que mine de rien, quoi qu'il arrive, qu'on soit en phase, on va dire, ascendante, positive, joyeuse, plaisante, où l'on est vraiment à l'aise, au moment-là, ben on peut toujours et encore parler d'épreuves. Et qu'on soit aussi dans une période plutôt descendante, négative, un petit peu triste, avec du chagrin, ben c'est aussi une épreuve. Et à partir du moment où l'on conçoit sa vie comme étant un ensemble d'épreuves, montantes, descendantes, positives, négatives, ben ça nous soulage et on est quand même apaisé de savoir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous en a donné l'exemple par sa propre vie. Mais depuis qu'il est né, hein, en fait, hein, sallallahu alayhi wa sallam.
il naît, hop, il y a la déception, enfin, il y a l'ambiance de tristesse et de chagrin du fait qu'il soit né orphelin, sallallahu alayhi wa sallam. À côté de ça, il y a la superbe ambiance à Mecca, tout le monde était content pour l'arrivée de cet enfant-là. Abdul Muttalib, il était aux anges, même Abu Jahl au moment-là. Abu Lahab, au moment-là, il était super content, la haqiqa, la bonne ambiance. D'un côté, ouais, mais qui sait, c'est quand même quelqu'un de pauvre, il n'y a pas de mère allaitante. Allah Ta'ala, il a ramené la Halima radiallahu anha. Donc, on est toujours dans cette alternance. Il revient à Mecca, sa mère, elle décède, c'est pas grave, il est récupéré par Abdul Muttalib, génial, 2 années superbes. Intéressante, Abdul Muttalib qui décède, c'est pas grave, il y a Abu Talib, etc., etc., etc. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie a été la manifestation de cette loi divine. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas une période où c'est vraiment linéaire, ça fait 20 ans que je galère, ou alors ça fait 20 ans que je suis dans les bienfaits. C'est même très souvent les deux imbriqués en même temps. Là, on est dans une situation où l'on a vaincu Quraysh, c'est quand même un truc extraordinaire, exceptionnel, positif, super joyeux. J'arrive à Medina, qu'est-ce que je trouve? Ben, je n'ai même pas été là au dernier moment de la vie de ma fille, Ruqayya. Donc il arrive, ben Ruqayya est déjà décédée et même déjà enterrée. Donc c'est quand même un petit peu, c'est même triste. Sachant que Ruqayya, c'est la fille de Khadija radhiyallahu anha ardaha. Donc déjà, il y a le chagrin de Khadija. Sincèrement, le chagrin de Khadija radhiyallahu anha ardaha qui n'a jamais quitté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mine de rien. Ce n'est pas parce qu'il ne le montrait pas tous les jours qu'il n'y avait pas ce chagrin-là, cette affection-là, ce manque-là, cette idée de vivement qu'il la rejoigne, etc. Ça ne l'a jamais quitté. Et quand il y avait des événements qui, de près ou de loin, avaient un lien avec Khadija, bah ça faisait faire surgir le souvenir de Khadija radhiyallahu anha. Ruqayya, c'est une fille qu'il a eue avec Khadija. Ruqayya qui vient de décéder, qui vient d'être enterrée, bah ça ne pouvait pas ne pas lui rappeler le décès de Khadija radhiyallahu anha. Donc ok, il était content, il y a l'ambiance festive, joyeuse de Badr, il arrive, hop, il y a la tristesse, il y a le chagrin du décès de Khadija, de Ruqayya, radiallahu anha, wa ardaha. Peu de temps après, au retour de Badr, peu de temps après, il s'est passé un événement, là pour le coup, plutôt joyeux. Et on va voir, plutôt joyeux, dans lequel il y avait de la tristesse. Pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sidna Ali, radiallahu anha, wa ardaha. Sidna Ali, bon voilà, on peut en parler pendant des épisodes entiers. Qui il est, qu'est-ce qu'il représente, sa puissance, son courage, son intelligence, sa force physique, sa proximité avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa science, sa pertinence, sa vigilance. On peut parler de Sidna Ali pendant des épisodes. L'essentiel, Sidna Ali, radiallahu anhu, c'est l'un des piliers de cette umma. D'accord? C'est quasiment le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Souvenez-vous, lorsqu'il est né, radiallahu anhu arda, Nabi sallam avait demandé à Abu Talib s'il pouvait le soulager d'une bouche supplémentaire à nourrir et s'il pouvait prendre ce nouveau gamin-là chez lui. Donc Nabi sallam a récupéré Sidna Ali dès sa naissance. Donc Sidna Ali, vous pouvez dire que c'est quasiment le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le produit direct de son éducation alayhi salatu wassalam. Sidna Ali, voilà, sa valeur elle est connue. En plus, là, on revient de la bataille de Badr. La bataille de Badr, durant laquelle Sidna Ali, jeune garçon, hein, au début de la vingtaine, Sidna Ali avait fait preuve quand même d'un courage exceptionnel, extraordinaire. Je veux dire, même Sahaba les plus âgés, ils connaissaient la valeur de Sidna Ali. Non, mais là, c'est la première fois où on le voit sous son, on va dire, sous sa casquette, Sidna Ali, le guerrier. D'ailleurs, Sidna Ali était connu pour être l'un des plus puissants combattants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il était parmi les plus jeunes. Sidna Ali faisait partie de l'élite des combattants et des guerriers de Sahaba. On le verra beaucoup plus tard. Lors de la bataille de l'Ahzab,
il y avait un Quraishi, vous savez, les musulmans, ils avaient creusé un fossé pour empêcher les Quraishi de venir attaquer les musulmans. Il y a un Quraishi qui a réussi à sauter, il est arrivé chez les musulmans. C'était un grand guerrier. Il leur a dit, écoutez, moi je suis venu là pour mourir. Qui c'est qui me prend en homme à homme? Alors, déjà, pour pouvoir sauter le fossé, sahabes ont dit, mais, il est malade, il est fou lui. Et il leur a dit, je suis là pour mourir. Envoyez-moi le meilleur de vos hommes. Personne n'a voulu l'affronter. Sidna Ali, il a dit, moi je le prends. Et ils se sont battus pendant la journée entière. Sahaba, ils ont dit, tellement ils se sont tapés dessus. Sidna Ali et cet homme-là, il y avait le rebra, il y avait de la poussière autour d'eux. On ne voyait pas qui frappait qui. Jusqu'à ce qu'à la fin, la poussière est tombée et Sidna Ali était debout. C'est pour dire que Sidna Ali, à ses qualités, franchement, on peut en parler. À côté de ça, Sidna Ali avait une particularité. Il faisait partie du podium des gens les plus pauvres. Paradoxalement, un des plus intelligents, un des plus braves, un des plus forts, un des plus... On va dire, c'est le produit direct de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'un des plus pauvres parmi les sahaba. Vous savez quelle était la profession de Sidna Ali radhiallahu anhu arda? Il gagnait sa vie comment? Vous savez qu'il y a des sahaba qui étaient commerçants. Vous savez qu'il y avait des sahaba qui étaient exploitants agricoles, ils avaient des palmiers. Vous avez des sahaba qui avaient des élevages, etc. etc. Quelle était la profession de Sidna Ali radhiallahu anhu arda? Figurez-vous qu'il gagnait sa vie en faisant quoi? Il travaillait chez un Médinois, un Ansari, qui a une ferme. Et son boulot, c'était de monter des seaux du puits pour irriguer, pour sortir de l'eau, tout ça. Et il était payé à ça. Donc toute la journée, il monte des seaux d'eau. Et à la fin, ça y était payé combien? Quelques dates, sur une main. Sidna Ali. Hein. Toute la journée, je monte des seaux. Pour à la fin, je m'en trouve avec quelques dates. Une fois, Sidna Ali, bah, il était là, il bossait. Hein. Il montait ses seaux d'eau. Radiallahu arda. Il a reçu quand même une visite un peu particulière. Sidna Abu Bakr et Sidna Uthman. Radiallahu anhuma, ils sont partis voir Sidna Ali. Sidna Abu Bakr, au moment-là, il a plus de 50 ans, 53 même, hein, très exactement. Et Sidna Uthman, il avait 48 ans au moment-là. Radiallahu anhu. Ils partent voir Sidna Ali, au début de la vingtaine. Ils lui disent, Ali, on sait que depuis quand même un moment déjà, on sait que Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle t'a déjà tapé dans l'œil, on sait que tu lui portes quand même un intérêt. Pourquoi tu n'as pas fait le pas? Pourquoi tu n'as pas été? Pourquoi tu ne vas pas demander sa main au prophète sallallahu alayhi wa sallam? On sait que la fille-là, elle t'intéresse. Alors, vous avez deux cinquantenaires à peu près qui vont dire ça à un jeune au début de la vingtaine. Un jeune qui gagne quelques dates par jour. Et on va lui dire, va demander la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, une fois sur deux, tu ne manges pas parce que tu n'as rien à manger. Toi qui, il peut se passer plusieurs jours sans que tu aies absolument rien. On est en train de te proposer d'aller demander la fille du meilleur des hommes. Quelle a été la réaction de Sidna Ali radhiallahu anhu arda? Il leur a dit, voyez comment je suis pauvre. Il l'en aura même voulu. Il leur a dit, ce n'est pas, en gros, c'est pas du tout sympa de votre part de venir me rappeler un souhait qui ne peut être réalisable. En gros, franchement, vous n'avez pas assuré. Vous savez très bien que moi, je rêverais de ça. Vous savez que pour moi, c'est un rêve. Vous savez que pour moi, c'est quelque chose que je convoite, mais qui, dans les faits, n'est pas faisable. Venir me dire pourquoi tu ne vas pas le voir, c'est comme si vous allez voir quelqu'un qui n'a rien à manger, et vous lui dites, tiens, pourquoi tu ne vas pas manger? Vous lui rappelez sa condition, il aura dit, en gros, c'est pas sympa de votre part de venir me rappeler un rêve que je ne peux réaliser. Alors les deux, qu'est-ce qu'ils lui ont dit, radiallahu anhuma? Ils lui ont dit, Ali, ils ont insisté, Ali, franchement, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, t'es le fruit de son éducation, il te connaît, etc., etc., etc. Vas-y,
C'est quoi? C'est juste le côté, t'es pauvre, t'as rien? Tu peux compter sur notre aide, à nous deux, hein. Abu Bakr et Sidna Uthman. On va dire deux gros blindés, deux grands sahaba parmi les plus riches. Ils lui ont dit, vas-y, si c'est juste une question de ça, tu trouveras notre aide. Ils n'ont pas arrêté de lui redire, ils ont insisté. Bon, voilà, Sidna Ali a surmonté sa timidité. Tu ne vas pas demander la main de n'importe qui, tu vas demander au professeur Sallam de te confier à sa fille. Mais en même temps, il y avait un côté rassurant là-dedans. Parce que, un, on sait que Nabi sallam, alors les valeurs de l'argent, tout ça, c'est pas ses valeurs. Et de deux, Sidna Uthman, il parle en connaissance de cause. Parce que Sidna Uthman a déjà épousé deux filles parmi les filles du professeur sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en gros, il parle par expérience. Tu verras, Nabi sallam, il t'accueillera super bien. Tu verras, Nabi sallam, il te rassurera. Tu verras, Nabi sallam, il est compréhensif. Et je te parle en connaissance de cause. J'ai déjà épousé, notamment Ruqayya qui est décédé. Donc, ils ont encouragé Sidna Ali et il est parti voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il est rentré, il n'a pas su parler au début. Du coup, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, qu'est-ce qui t'a amené à moi? Ali, est-ce que tu as une demande? Parle, qu'est-ce que tu veux? Alors, on peut comprendre que Sidna Ali soit un peu pris de panique. Je ne sais pas quoi dire, Jusqu'à ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mis vraiment à l'aise, Est-ce que c'est Fatima qui t'intéresse? Radiallahu anhu arda. Alors Sidna Ali, il a dit, ya Rasulallah, tu as été pour moi comme un père, tu m'as élevé comme un orphelin, tu m'as en gros pris en charge, etc., etc. Je suis arrivé à un âge où j'ai envie de moi aussi en gros décoller un peu dans la vie et j'ai envie en gros de faire et de vivre ce que tous les hommes voilà, vivent. Il a dit, est-ce que c'est Fatima qui t'intéresse? Il a dit, c'est Fatima qui m'intéresse. Le Nabi Sassim, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu as quoi comme dot pour elle? Alors Sidna Ali, quand il est parti voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait quatre choses sur lui. Il avait le morceau de tissu avec lequel il se couvrait, il couvrait sa aura. Il avait son épée sur lui. Il avait une armure sur lui. Il avait des sandales aux pieds. Quatre choses. Des sandales, un tissu pour se couvrir le corps, une épée et une armure. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ya Rasulallah, j'ai sur moi des sandales, une épée et une armure. Bon, on lui a pas parlé du tissu parce que voilà, je me couvre avec, j'en parle pas. Il lui dit, ya Rasulallah, les trois choses là, les sandales, l'épée et l'armure, c'est tout ce que je possède dans ce bas monde là. Choisis ce que tu veux parmi les trois là. C'est hallucinant. Il lui dit, comme je suis là, c'est tout ce que j'ai. J'ai quoi comme dot pour Fatima? Ben, Rasulallah, voilà, tu as tout mon patrimoine devant toi. Regarde ce qui te plaît dans mon patrimoine et prends ce que tu veux, Rasulallah, pour la dot de Fatima. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ton épée, elle fait partie de la religion d'Allah. Ton épée, elle sert au jihad. Ton épée, elle sert pour la cause d'Allah. Je ne peux la prendre. Il lui a dit, ton armure, toi Ali, tu es fort. La force que tu as dans le bras te suffit. L'armure, tu n'en as pas besoin tant que ça. Ce que tu fais, Ali, va vendre l'armure et son prix, tu le donnes en tant que dot. Et vous savez quoi? Vous savez l'armure là? C'est le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qui l'avait offerte à Sidna Ali pour la bataille de Badr. Elle n'aimait pas à lui à la base. Il lui a dit, l'armure, tu la vends. Et tu donnes le prix de la vente comme dot pour Fatima radhiyallahu anha ardaha. Alors Sidna Ali, il sort de là, il cherche un acheteur pour son armure. Il croise accidentellement, on pourrait dire, il croise Sidna Uthman radhiyallahu anha ardaha. Ali, je te vois, tu cherches qui, tu cherches quoi? Il dit, je cherche un acheteur pour mon armure. Il lui a dit, voilà, moi je l'achète. Combien tu veux? Et vous connaissez Sidna Uthman. Sidna Uthman, il est riche, il est généreux. Voilà. Sidna Uthman aussi, on peut en parler pendant des épisodes.
il lui a surévalué le prix qu'elle pourrait ramener sur le marché. Il lui a donné l'argent, il a pris l'armure et lui a dit, allez, c'est pour ton mariage. Il lui a dit, tiens, je t'offre l'armure là, c'est mon cadeau pour tes noces. Donc au final, Sidna Uthman a juste quoi? Payé la dot de Sidna Ali. Mais il l'a payé intelligemment. Parce que sahaba, ils avaient, subhanallah, cette éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque, même lorsque vous voulez aider les gens, soyez intelligent et soyez sensible à la fierté des gens. Tiens, vous comprenez? Il y a une différence. Oh, Ali, tu veux te marier? Ben écoute, je te paye ta dot. C'est une aide, c'est vrai. Mais elle est brute, elle est sèche, elle n'est pas respectueuse, elle ne tient pas compte de la sensibilité de la personne, elle ne tient pas compte de sa fierté, de son honneur. Hein. Même si au bout du compte, oui, ça revient au même mathématiquement. Il y a une différence entre, écoute, allez, je te paye ta dot, combien il t'a demandé, tiens, et écoute, allez, tu cherches à vendre ton armure, ok, je te l'achète. Tiens, je la prends, tiens, ok, j'ai acheté ton armure. Écoute, tu te maries, ben écoute, je t'offre cette armure. C'est plus classe, c'est plus respectueux. Ça tient énormément compte de la sensibilité des gens. Donc Sidna Ali, au final, il a récupéré son armure qui, à la base, lui avait été offerte par Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a vendue à Sidna Uthman en échange d'un certain prix. Sidna Uthman lui a re-offerte. Donc au final, il se retrouve avec son armure et une dot. Donc il a donné la dot au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dot là, elle a servi à quoi? Elle a servi à acheter des petites affaires pour l'installation pour Sidna Ali et Lalla Fatima radhiyallahu anha. Dans les nations, on apprend que la dot là, la moitié de la dot, elle a servi pour la préparation de, on va dire, du foyer. On leur a acheté comme une sorte de petit matelas, l'haf, imaginez pas le matelas, un matelas, un petit truc juste pour éviter que ça dorme directement sur le sol, avec deux coussins, on leur a acheté quelques ustensiles en terre cuite, etc. pour équiper la maison. Mais pour équiper quoi? Il y a un l'haf, une couverture, deux coussins, une carafe en terre cuite, deux, trois récipients, etc. C'est tout. Et l'autre moitié, ben on leur a acheté quelques provisions. On apprend qu'on leur a acheté un peu de beurre, un peu de dattes, des choses à manger. Donc au final, la dot, elle a servi à quoi? Elle a servi à couvrir ce que normalement Sidna Ali aurait dû, lui, en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que chef de la famille, prendre en charge. Donc au final, la dot qui provient de l'armure achetée par Sidna Uthman, puis rendu à Sidna Ali, qui elle-même provenait de l'armure qui avait été offerte par Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Sidna Ali, ben on apprend qu'au bout du compte, elle a servi à soulager Sidna Ali de certaines dépenses que lui-même aurait dû prendre en charge. Regardez comment le truc il a été, on va dire, orchestré, et regardez comment il a été facilité, et regardez comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a joué le jeu. Sidna Abu Bakr, il a joué le jeu. Sidna Uthman, il a joué le jeu. Fatima, il a joué le jeu. Voilà, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y a un épisode triste dans cet épisode joyeux. C'est quand même un épisode joyeux. Sidna Ali qui se marie, Lalla Fatima qui se marie, etc. Donc, c'est quand même un événement joyeux. Là, j'aimerais qu'on revienne sur deux, trois petites choses moi, qui m'interpellent. Premièrement, regardez déjà le comportement de Sidna Uthman et Sidna Abu Bakr. Cette attitude qui consiste à porter le souci communautaire du célibat. Ça n'a pas fait, ben nous on est mariés, bon, c'était déjà galère à se caser, alhamdoulilah, on est mariés, ouf, alhamdoulilah, voilà, les gens ils se débrouillent. Non, il y avait un souci collectif, il y a un souci sociétal. Tout le monde est soucieux de tout le monde. Je ne peux pas moi être tranquille et mon voisin... Vous savez, Nabi Sarsim, il dit, n'est pas acceptable, n'est pas des nôtres. Celui qui mange alors qu'on voisin a faim, on peut extrapoler, n'est pas des nôtres celui qui, alhamdoulilah, il est marié, il est installé, il est stable dans son foyer et il sait que son voisin est célibataire, il sait que son voisin, il est dans la tentation, il sait que son voisin galère et en plus, on sait qu'il est célibataire pour des raisons financières. Comment on peut dormir tranquillement alors que des frères et des sœurs
parmi notre communauté ne sont pas mariés et nous, voilà, normal, ben on va faire dua pour eux. Oui, dua il le faut, mais concrètement, est-ce qu'on s'en est soucié? Est-ce qu'on a été les voir? Écoute, tu peux compter sur nous. C'est quoi le problème? Si financier, ben on peut t'aider. C'est quoi le problème? Tu connais pas? Ben on va t'introduire. C'est quoi le problème? T'oses pas? Ben on va te donner un coup de main. Qu'est-ce qui se passe? On te recommande? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fait ça? Du coup, le célibat, enfin le mariage si vous voulez, ça dépend comment on le voit, est devenu tellement une problématique personnelle que en fait la communauté ne s'en est pas vraiment mêlée. Il y en a de là qui s'en mêlent et on s'en réjouit, mais globalement on ne s'en mêle pas tant que ça. Globalement, les frères ils cherchent pas à marier leurs sœurs. Globalement, les papas ils sont plus trop dedans. Généralement, aujourd'hui on est dans une génération où les filles se débrouillent elles-mêmes pour trouver un mari. Et une fois qu'elle en a validé un, ben ok, elle va en parler au papa, elle va en parler à son grand frère, etc. Alors qu'à la base, c'est pas cette démarche-là. On peut y avoir recours, mais ce n'est pas la démarche originelle. La démarche originelle, c'est que toi, en tant que papa, tu te débrouilles pour trouver ton gendre. La démarche originelle, c'est que toi, en tant qu'oncle, si c'est toi le responsable, ta nièce, c'est toi qui te débrouilles pour trouver un mari à ta nièce. C'est toi le grand frère. Mais on voit que ce n'est pas vraiment le cas. Oui, on est autonome, on est indépendant, on est indépendante. Ma fille, elle est indépendante, ben, elle se débrouillera. Ben voilà, elle se débrouillera, ben, on a vu ce que ça donne. Elle se débrouillera, ben on se retrouve avec des sœurs de 30 ans, de 35 ans, de 38 ans, de 40 ans, de 45 ans. J'ai même connu, je connais même des 50 ans, des 55 ans, jamais mariés. Des vierges à 55 ans. D'où ça vient? Par plusieurs facteurs. Aujourd'hui, j'en pointe un du doigt. C'est que le célibat de nos frères et de nos sœurs ne nous dérange pas, nous les mariés, tant que ça. Oui, on y pense de temps en temps. Oui, comment que c'est? T'es marié? T'as pensé à te marier? Ouais, ben, tu crois quoi? Ben oui, j'ai pensé à me marier, mais je fais comment? Soit j'en ai pas vraiment les moyens, soit je connais personne, soit. Mais quoi qu'il arrive, quelles qu'en soient les raisons, mais est-ce qu'on a été présent ici aux côtés de ces personnes-là, célibataires, frères et sœurs? Est-ce qu'on les a soutenus? Est-ce qu'on a été à leur écoute? Est-ce qu'on leur a proposé des choses? Est-ce qu'on leur a témoigné notre soutien? Est-ce que? Donc déjà, on voit que Sidna Uthman et Sidna Abu Bakr, radallahu anhuma, bah, ont marqué le coup. Allez, écoute, allez, quand même, il y a une fille qui t'intéresse. Son père, on sait que lui, ça ne posera pas de problème parce que tu es quand même un petit peu comme son fils adoptif. Il te connaît. Nous, on connaît tes qualités. Encore plus lui qui t'a élevé. Donc vas-y, prends ton courage à deux mains. Vas-y, on t'encourage, on est là, on peut t'aider. Tu peux compter sur nous. Ben, ils ont insisté jusqu'à ce qu'il l'ait fait. Et ça n'a pas été juste des paroles. On a vu comment Sidna Uthman a maquillé une aide financière en transaction commerciale. Et au bout du compte, ça revenait à une aide financière sans que ça fasse ben, « Tiens, je t'aide, je te prends de haut. » Regardez comment ça s'est fait de ce côté-là. Deuxième chose que j'aimerais qu'on relève ici, non mais regardez Sidna Ali, radallahu anhu, Allah. Ya Rasulallah, écoute, tu as tout mon patrimoine devant toi là. Et regardez la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On aurait pu croire et on aurait pu imaginer que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, connaissant la situation financière de Sidna Ali, allait lui dire, bon Ali, écoute, voilà, vu ta situation, vu que bah, tu n'as pas les moyens, c'est pas grave, je connais ton comportement, je connais ta religion, je connais ton éthique, je connais ta morale, je connais ton éducation. Écoute, ça c'est dénia, c'est pas intéressant pour nous, on n'en veut pas, je te fais confiance. Tiens, je sais pas moi, donne 1 cm² de ton tissu, on va considérer que ça comme une dot. Tu sais quoi? Tiens, apprends à Fatima radiallahu anha, apprends-lui quelque chose. Tiens, et même, vous savez quoi? Tiens, promets-lui un truc que tu pourras lui donner un de ses cartes quand Inch'Allah ta'ala t'en auras les moyens. Ce qui est d'ailleurs valide du point de vue juridique. Hein. Que je promets une dot que je n'ai pas actuellement, mais elle devient une obligation pour moi de m'en acquitter. C'est-à-dire même si je décède, on la prend de mon héritage pour la donner à ma femme. Quelle a été la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Connaissant la situation galère de Sidna Ali. Ok, ben tu prends l'armure, tu la vends et tu me ramènes son prix. Et c'est là où on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est très terre à terre et on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
il éduque les gens. Et on voit que le Nabi, il éduque les générations et il éduque la communauté jusqu'au jour dernier. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec deux extrêmes. On se retrouve avec des gens qui ont littéralement pété les plombs du point de vue de la dot, obligeant des gens, mais ça on l'a vu, hein, obligeant des gens à aller emprunter pour pouvoir payer une dot. Limite, c'est devenu presque un business, quoi. Limite, c'est devenu, il y a une valeur marchande. C'est comme s'il y avait, il y a le cours d'or, il y a le cours de l'or, il y a le cours du pétrole, il y a le cours des filles à marier. On va dire, voilà, la fille là, elle, c'est dans les 5 000, c'est dans les 10 000 euros. Et on en arrive à des gens obligés d'aller s'endetter pour la dot. C'est ça que l'islam ne veut pas. C'est n'importe quoi, c'est catastrophique, ça met la corde au cou aux gens, ça repousse l'échéance du mariage, ça, des gens qui étaient capables de se marier, je sais pas, à 25 ans, 26 ans, ben, vu ces exigences-là, ben, écoute, je suis obligé de bosser comme un dingue pendant 2, 3, 4, 5 ans, je mets de côté, pourquoi le mariage? Parce que le mariage, c'est la dépense de la vie. Ça existe, c'est réel. On le voit ça au sein de la communauté. Vous avez des mariages, lorsque vous les voyez, vous dites, écoutez, ça devait être qu'un mariage. J'ai un mariage à 10, 15, 20 000, 25 000. On a déjà vu des mariages à 30 000 euros. Le mariage à 30 000 euros, rien que la dot, c'est 10 000. Et la salle, le ça, si, et ça. Ah oui, c'est vrai. S'il fallait 30 000 euros pour se marier, ben, je comprends que personne ne peut se marier à moins de 30 ans, à moins d'avoir reçu un héritage. Donc c'est ça que l'islam ne veut pas. Et vous avez des gens qui sont accrochés à l'autre extrême. On a entendu que l'islam était contre l'hallucination dans les dots. Et on a entendu dire que l'islam préconisait quand même de faciliter le mariage, ne pas péter les plans dans les dots pour permettre à des gens avec des moyens modestes de se marier, ne rendait pas le mariage difficile par l'augmentation des dots. Voilà, tout le discours là, on le connaît, il est sunna, il est divin, il est prophétique. Ok, les meilleurs mariages, les meilleures femmes sont celles qu'on épouse avec une dot pas extraordinaire. Alhamdoulilah, toujours dans la simplicité, etc. Alors, quand on entend ce discours-là, ben malheureusement, on tombe dans un autre extrême. Celui de, ben la dot n'a plus aucune valeur, la dot qui devient insignifiante. Lorsque l'islam, il a insisté, il a recommandé à ce qu'on ne pète pas les plombs dans les dots et qu'on les rende accessibles, c'est pour ouvrir la porte du mariage au plus grand nombre. C'est pour que même ceux qui n'ont pas des moyens énormes puissent accéder au mariage. Ça ne voulait absolument pas dire que si vous avez beaucoup de moyens, que vous allez mettre ces compteurs à votre femme. Et malheureusement, là on se retrouve avec une mauvaise compréhension de ce côté-là de notre religion. L'islam, il a préconisé les dots les moins élevées. Ouais, mais c'est pour qui? C'est pour ceux qui ont des revenus moins élevés. Quelqu'un qui gagne 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, est-ce qu'il est concevable qu'il donne une dot de 20 euros à sa femme, subhanallah? Lorsqu'on reprend le mot « sadaq » en arabe, vous avez tout de suite capté qu'il y avait la racine linguistique « sadaqa ». Pas « sadaqa » l'aumône, même si linguistiquement ça vient de la même notion. « Sadaqa », ça veut dire « il a montré et manifesté sa véracité ». Et « sadaq », la dot, ça s'appelle « sadaq » parce que c'est une manière qu'a l'homme de montrer la sincérité et la véracité dans sa volonté de s'engager avec cette femme. Vous comprenez que quelqu'un comme Sidna Ali radhiallahu anhu qui arrive devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec sur lui comme bien matériel uniquement des sandales, une épée et une armure et qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, prends l'une des trois choses là, vous comprenez qu'il vient de donner quoi comme sadaq? Alors c'est vrai que si vous regardez juste la valeur marchande de l'armure, vous dites « ouais, ben, ça devait coûter absolument rien hein. ». Non, non, mais moi, ce n'est pas ça que je vois. Je vois que Sidna Ali a donné comme dot le tiers de son patrimoine. Il avait une armure, des sandales et une épée. Et il a donné le tiers. Donc vous comprenez que quelqu'un qui lâche, abandonne et met sur la table le tiers de ses biens, vous arrivez à concevoir que
Là, oui, on peut parler de sadaqa. On peut parler de preuve de véracité. Parce qu'il fallait les lâcher, hein. Je veux dire, je lâche le tiers de mes biens, ah, c'est quand même une preuve de mon sérieux, non? Je vais voir une famille, je vais voir le père de la fille, et je lui donne le tiers pour la dot, pour qu'il me donne la main de sa fille. Je lui donne le tiers de ce que j'ai. Bah attendez, là, c'est quand même une sacrée preuve que je suis un bonhomme sérieux, hein, et que je cherche pas à me moquer de lui ou de sa fille, et que je suis pas quelqu'un de léger, je suis quelqu'un de bien posé, j'ai bien réfléchi, je suis pas le genre à refaire le coup là une fois par mois, hein. Mais si la dot, c'est 50 euros, alors que moi, j'ai 10 000 euros dans mon compte. Et c'est une preuve de sincérité, ça? C'est quoi 50 euros sur l'ensemble de mon patrimoine? Ça ne peut pas être, dans les faits, ça ne peut pas être considéré comme une preuve de sidq, une preuve de véracité. Alors la dot, je suis désolé. Pour que ça ait du sens du côté du mari, pour que ça ait du sens du côté de la fille, du père, de la belle famille, il faut qu'elle soit conséquente par rapport aux revenus de monsieur. C'est complètement inconcevable de donner 50 euros de dot si tu gagnes 5 000 euros par mois. Tu as une voiture, tu as un appartement, tu gagnes bien ta vie et tu donnes 100 euros à ta femme. Est-ce que, je sais pas moi, tes vêtements valent peut-être plus. Ta montre, peut-être, elle vaut plus que la dot. En quoi c'est une preuve de sincérité et de véracité? Ta voiture, elle vaut 20 fois, 100 fois, peut-être la dot que tu as donnée à ta femme. En quoi c'est une preuve de véracité? Donc, sadaq doit comporter cette notion de sidq. Donc, doit avoir un lien de proportionnalité avec nos revenus. Moi, j'ai déjà entendu, on m'a déjà dit ça concrètement, hein. Une fois, je discutais avec un frère qui était sur le point de se marier. Un frère qui a des entreprises, hein. Un frère qui gagne très très bien sa vie. Je discutais avec lui, il m'a dit, ouais, je suis sur le point de me marier. Il m'a dit, Inch'Allah, moi, je vais faire un mariage sunna. Alors, c'est vrai, moi, quand j'ai entendu un mariage sunna, c'est vrai que j'ai été un petit peu envoyé par mes représentations. C'est vrai, moi, quelqu'un qui me dit, je vais faire un mariage sunna, franchement, je pense à quoi? Ben, je pense au fait que ben, dans sa fête, il va séparer les hommes des femmes, il n'y aura pas de musique. J'ai pensé à ça. Mais je voulais quand même être sûr. Je lui dis, qu'est-ce que t'appelles mariage sunna? Il m'a dit, écoute, moi, je me suis, alhamdoulillah, mis d'accord avec ma future femme, je vais lui offrir un Coran et je vais lui apprendre une sourate. Et je lui dis, c'est ça un mariage sunna? Il m'a dit, oui. Il m'a dit, ouais, tout l'argent, tout ça c'est, on va dire, c'est les bassesses de ce bas-monde, c'est la poubelle de ce bas-monde, Dénia, tout ça, c'est pas important. Ce qui est vrai, je montre mon engagement avec cette femme-là dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sunna, je lui offrirai un Coran. En parenthèse, elle doit en avoir au moins 15 chez elle. On est d'accord, c'est une musulmane. Et de deux, je me suis mis d'accord avec elle, je vais lui apprendre une sourate ou deux, je me souviens plus ce qu'il m'a dit exactement, mais il y avait une histoire de je lui apprends une sourate. Parce qu'il a lu un hadith. Non, mais il a loupé quelque chose dans le frère. C'est que celui à qui Nabi sallam avait donné l'autorisation de se marier avec une femme en lui apprenant ce qu'il connaissait comme Coran, c'était quelqu'un qui ne possédait absolument rien. Connaissez l'histoire. La femme qui s'est levée dans la mosquée du prophète sallam lui a dit, Rasulallah, si tu es intéressé, je veux que tu m'épouses. Nabi sallam n'était pas intéressé. Un homme s'est levé. Il lui dit, Rasulallah, si tu n'es pas intéressé par cette femme, moi je suis intéressé par elle. Marie-la moi. Et Nabi Sassim lui a dit, Bima tasdouqouha. Tu donnes quoi comme sadaq pour elle? Il lui a dit, Rasulallah, j'ai rien. Et Nabi Sassim lui a dit, tu n'as même pas une bague en fer, en ferraille. On n'a même pas parlé de cuivre, d'argent ou d'or, hein. Il lui a dit même une bague, un morceau de ferraille qu'on ferait tourner autour de lui-même pour que ça fasse une bague. Même ça, il lui a dit, même ça, j'ai pas. Il lui a dit, Hel ma'aka shay'un min al-Qur'an? Est-ce que tu as dans ta poitrine quelque chose de Qur'an? Il lui a dit, Rasulallah, oui, j'ai quelques versets, j'ai quelques sourates en moi. Il lui a dit, Ankahtukaha bima ma'aka min al-Qur'an. Je te la marie avec, comme dot,
ce que tu as en toi en Coran. Mais le frère, il a des entreprises, il gagne des milliers d'euros par mois, il a lu le hadith là, il a dit je veux faire la sunna. C'est ça la sunna, franchement? Mais l'autre, il n'était même pas capable d'offrir une bague en ferraille. Et puisque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans cette logique de je rends le mariage accessible, ben, il a été jusqu'au bout de la facilitation. Est-ce que tu as quelque chose de Coran en toi? Ok, ben, je la marie pour ça. Mais les gens qui avaient des moyens, vous croyez que quoi? Vous croyez que Sidna Abou Bakr qui s'est marié avec ce qu'il avait comme Coran dans sa poitrine? Vous croyez que Abdurrahman ibn Auf, que Uthman ibn Affan, radiallahu anhum, tous les grands riches parmi les Sahaba, vous croyez qu'ils se sont mariés comment? Vous croyez qu'ils se sont mariés juste, voilà, et en offrant, je sais pas moi, un parchemin avec quelques versets écrits dessus? Ils se sont mariés et ils ont mis les moyens en fonction de leurs revenus. Leur mariage, ils ont fait des grands festins, ils ont immolé des chameaux, en fonction de leurs revenus. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des revenus, et bien ils les ont aussi investis dans leur mariage, dans leur dot, etc. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la situation financière de Sidna Ali. Et malgré ça, il ne lui a pas dit, allez, t'inquiète, je sais que tu galères financièrement, c'est pas grave, je te marie pour ce que tu connais comme Coran ou quoi. Non, 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 non. Allez, tu as quoi? Tu as une épée, tu as des sandales, tu as une armure, je prends l'armure. C'est fort ou pas? Sur les trois trucs que tu as, j'en prends quand même un. Et encore, l'épée, je ne la prends pas parce qu'elle sert au jihad pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va considérer que l'épée, ce n'est même pas à toi. Il lui a dit, safe minute din. Ton épée, elle fait partie de din, j'en parle pas. Donc en vrai, en vrai, en vrai, Sidna Ali n'a pas donné le tiers de ses biens. Sidna Ali a donné la moitié de ses biens. Il avait l'armure et les sandales. Donc j'aimerais qu'aujourd'hui, on se réapproprie un petit peu tous ces enseignements-là. Pas les mariages, on sait, on connaît, pas les mariages avec des dots où on oblige les gens à aller s'endetter pour. Et pas les mariages non plus où le frère, alhamdoulilah, il a quand même beaucoup de moyens et on finit avec des dots de 20, 30, 50 euros. Ça ne veut rien dire, ce n'est pas valorisant pour la femme. On n'est pas en train d'acheter la femme, on est d'accord, mais ce n'est pas valorisant. Ce n'est pas valorisant du tout. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, on est d'accord. Mais quelqu'un qui a les moyens, et les frères, là, je dis qu'on bécher, vous avez les moyens, vous avez des montres à 200, 300 euros, vous avez des vêtements à 400, 500 euros, vous avez des téléphones à 500 euros, n'allez pas donner une dot à 50 euros, à 100 euros. Je veux dire, vous avez montré plus d'engagement dans certains biens matériels, montrez-en au moins autant le jour où vous irez vous marier. Et je ne parle même pas de tous les enseignements qui sont un petit peu parallèles à cette simplicité de vie, à cet engouement de Sahaba. Sahaba, ils étaient tous contents du mariage de Sidna Ali, de la Fatima radiallahu anha. Même Sidna Bilal, si vous voulez, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui avait confié la mission d'informer tout le monde et de rassembler tout le monde pour une sorte de fête, etc., etc. Quel était, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'événement triste dans l'événement joyeux? Au moment où Fatima radiallahu anha ardaha, elle a quitté, elle a dû sortir de son foyer parental pour aller à son foyer conjugal. Il est d'usage, il est de coutume à ce que les femmes viennent chez la famille parentale et préparent la mariée, la nouvelle mariée. Il la prépare et il l'accompagne jusqu'à la faire rentrer chez son foyer conjugal. Habituellement, qui c'est qui orchestre cette manip-là? Habituellement, c'est la maman de la mariée. Qui est la maman de la mariée? Khadija radhiyallahu anha arda. Donc au moment-là, lorsque Fatima a dû quitter la maison de son père pour aller à la maison de son mari, ben Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu ça, il a pleuré. Parce qu'il s'est souvenu de Khadija radhiyallahu anha arda. Elle aurait été contente d'être là le jour-là. C'est elle-même qui aurait préparé, maquillé Fatima pour son mari. C'est elle qui aurait accompagné Fatima de la maison familiale à la maison parentale. Khadija n'est pas là. Du coup, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là encore, regardez, subhanallah, la joie, content de marier Fatima à Sidna Ali, radiallahu anhuma, mais quand même la tristesse dans la joie. Comme quoi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais été laissé
dans une phase ou dans une autre, il jongle, il est toujours dans cette alternance-là. Et je finis avec cette belle parole que Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Sidna Ali radhiallahu anhu arda, quand il lui a donné sa fille, il lui a dit, « Ya Ali, Allah subhanahu wa ta'ala t'a marié Fatima dans le ciel. » Ça veut dire, ça a été réglé dans la science d'Allah ta'ala infiniment avant que moi je te l'accorde. Ça veut dire, je n'ai fait que concrétiser ce que Allah ta'ala voulait. Fatima t'a été destinée depuis l'éternité. Tu étais celui qui devait épouser Fatima. Fatima devait être celle qui allait être ta femme. Allah ta'ala, en gros, c'est Allah qui vous a marié. Je n'ai été que, on va dire, l'agent humain ici sur terre. D'ailleurs, il lui a dit, Allah ta'ala, il te l'a marié dans le ciel avant que moi, je te ne la marie sur terre. Il a fait dua pour eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse sortir de vous une descendance qui va être à la hauteur et porter l'honneur de notre famille jusqu'au jour dernier. Et on sait que 9 mois plus tard, Fatima radhiyallahu anha, elle a accouché de Sidna al-Hassan, et une année plus tard, elle a accouché de Sidna al-Hussein radhiyallahu anhuma. Aujourd'hui, on a parlé de l'arrivée du prophète sallam al-Madina. On a oublié Badr pour l'instant et on n'a pas tout de suite connecté l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les événements politiques, les hypocrites, les juifs. Non. On est resté plutôt dans un cadre plutôt intime, plutôt familial. Le décès de Ruqayya radhiyallahu anha ardaha, le mariage de Fatima avec Sidna Ali radhiyallahu anhuma, dans un contexte à la fois de joie, à la fois de tristesse, mais rien de nouveau. C'est exactement ce qui caractérise Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On reprend la semaine prochaine, inchallah ta'ala, où là, on va voir quels sont les impacts directs de la victoire des musulmans dans la bataille de Badr sur la vie médinoise et pas que sur la vie médinoise. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.